Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et sachez que vous m'aviez beaucoup manqué. Pour l'instant, je ne pourrai pas répondre à vos commentaires. Je suis désolée parce que je suis un peu occupée. Ok? Ne m'en voulez pas, hein? Je suis comme ça. Alors, ne m'en voulez pas, je suis désolée parce que je pourrais pas. En ce moment, je suis. C'est pas que je suis pas tout le temps avec mon portable, mais c'est-à-dire que j'ai autre chose à faire. Non, c'est pas que j'ai beaucoup de trucs à faire, donc un peu occupée, je suis désolée. Donc, aujourd'hui, j'ai une acceptation avec, pour vous. Non, pas une acceptation avec vous. J'ai quelque chose pour vous, c'est être accepté là où vous allez. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de chance, que ça soit au travail, ou que ça soit avec la famille, aux amis, ou même dehors, vous êtes vraiment à une caisse, par exemple, où vous attendez votre tour, d'accord? Il y a toujours quelqu'un qui vient, vous pousse le caddie, ah ouais, j'étais là avant vous, machin, ou un truc. Et des gens qui cherchent la merde, j'ai jamais compris ça, pourquoi. Mais bon, écoutez, alors aujourd'hui, c'est une acceptation. L'acceptation, c'est quoi? C'est le Qubul. Au Maghreb, on l'appelle le Qubul. C'est être accepté partout. Et en plus, c'est pour aussi pour les personnes qui cherchent du travail. D'accord? C'est-à-dire pour les personnes qui vont pour un papier important, que ce soit travail ou n'importe, hein, n'importe un dossier bloqué, n'importe. Il faut rajouter juste quelque chose de plus, qu'on appelle secta, ouais, el meskouta. C'est pour qu'ils se taisent. D'accord? Secta et meskouta. Je ne sais pas comment ça s'écrit. Je ne sais pas comment ça s'appelle en arabe. En français, je suis désolée. Je vais vous l'écrire là. Secta. Wa. Parce que si vous allez chez les Maghrébins et vous leur dites le produit en français, ils vont rien comprendre. Ils vont vous dire non, on ne connaît pas. D'accord? Parce que vous allez leur dire en arabe. Mais vous allez. D'accord? Donc, alors, pour l'acceptation, être accepté là où tu vas, d'abord, il vous faut ça. Allez, copier, copier, je l'approche, la lumière. Elle s'élève. Alors, vous allez le dire à l'épicier, là, épice du Étoile du Sud, ou le monsieur qui a ouvert en face l'Étoile du Sud, il faut. Toulouse, le monsieur Djibli, je ne sais pas s'il vend ça. El Selba, c'est celle-là. Alors, ne leur dites pas en français, parce que si vous allez chez les Maghrébins, vous leur dites oui, donnez-moi par exemple l'Amir, il y en a qui ne comprennent pas. Ils vont dire non, on ne connaît pas. Donc, il faut mieux leur dire en arabe, au Maghrébin. Il faut El Selba, c'est celle-là. D'accord? Celle-là t'attire beaucoup de choses avec. El Ralba. Je vous l'écris en arabe phonétique. Je ne suis pas très forte en arabe. El Ralba. BA à la fin. D'accord? Attention si vous renversez ça. Parce que vous aurez du mal à balayer. Ça ne se ramasse pas au fait. Hein. Ça ne se ramasse pas rapidement. Il n'y a pas de mal. Là, si vous... Mais si vous allez gaspiller, c'est dommage. Il vous faut. Vous aurez besoin juste un petit morceau, un tout petit morceau. Regardez, Omenes, des fois, regardez, regardez. On trouve des gros morceaux, des petits morceaux. Vous aurez besoin d'un petit morceau. OK? Il vous faut une ou trois ou 10 graines du diable. On les appelle comme ça, je suis désolée. Hein. On l'appelle la graine de l'amour. Une, trois ou 10. Il vous faut un bouton de fleur, pas de pétales, s'il vous plaît. Parce qu'il faut une renaissance. Les pétales, elles sont toujours, ça y est, déjà ouvertes, ça ne sert à rien. Un bouton. Il vous faut de l'encens d'Oliban. Le vrai. D'accord? Le vrai. L'encens du Liban, vous aurez besoin juste un petit. Regardez les larmes. Regardez. Vous avez vu? Il vous faut juste un tout petit. Ok. Je vais les mettre là. Comme ça.
au fur et à mesure. Il vous faut une feuille de stibine. C'est la feuille de nasr. Si tu vas chez le maghrébin et tu lui dis donnez-moi la stibine, il va rien comprendre. Feuille de nasr. Warqat nasr. Une feuille. Vous détachez comme ça. En français, on l'appelle la stibine. Ok. Un tout petit peu de lavande. Une pincée. Ok. Il vous faut de la gomme arabique. La gomme d'arabique. Elle est transparente, on dirait de l'eau. Jaune, transparent. La gomme d'arabique. Ok. Ok, la gomme d'arabique. Il vous faut la cannelle. Mais attention, pas la cannelle en poudre. Si vous allez prendre la cannelle en poudre et vous me dites, ah mais j'ai pris, non. Il vous faut absolument le bâton. Le bâton que vous allez couper, juste un petit bout, comme ça. Un petit bout, d'accord. Un petit morceau. Suffira largement, mais pas en poudre. Si vous le mettez en poudre, ça c'est votre problème. Hein. Parce que moi je vous dis ça, vous me dites ça. Il vous faut du musc blanc. D'accord. Il faut que je vous montre. Hein. Un morceau comme ça. Un tout petit morceau. Un tout petit morceau. Waouh, l'odeur. Ça sent bon. Il faut que j'en achète encore. Hein. Alors, ne me dites pas où vous allez acheter ça. Ça, c'est... En fait, comme moi, je me débrouille là, là, là. Et je trouve du vrai miel. Il vous faut du vrai safran. Et pas en poudre. Ne mettez pas du safran en poudre. Le vrai safran cheveux. D'accord? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, voilà. Ben, c'est tout. Donc, alors, maintenant, je vais vous expliquer comment vous allez utiliser tout ça. Ok. Ça, c'est pour être accepté là où tu vas. Là où tu vas, au travail. Si personne ne te parle, si ton chef est dur avec toi, si ton patron est dur avec toi. Mais au fait, en gros, tout le monde, là où tu vas, t'es accepté. On l'appelle au Maghreb, on l'appelle El Kouboul. Ça veut dire on t'accepte, on parle avec toi, on te donne... Des fois, au travail, il y a des collègues, tu vois, qui ne te calculent pas ou un patron qui ne te calcule pas. Il te faut ça. Ok? D'accord? Tu prends soit... Il te faut une peau de gazelle. Si tu arrives à avoir une peau de gazelle, c'est bien. Et la peau de gazelle, vous prenez juste un petit morceau comme ça. Pour que vous puissiez mettre. Les centimètres ne veut rien dire. C'est juste un petit morceau pour que vous puissiez mettre tout ça dedans. Et après, coudre. Mais quand vous cousez tout ça, il ne faut pas passer 15 heures. Par exemple, vous ne scotchez pas. Parce que le scotch, au fil du temps, il se met à coudre avec du fil blanc. Passez 3 ou 4 fois le fil. Donc, si vous ne trouvez pas de peau de gazelle, parce que je sais qu'il y a des personnes qui habitent dans des endroits où on ne peut pas accéder à des magasins comme ça qui vendent tout ça, vous prenez un votre vêtement sale. Le vêtement sale. T-shirt. Le mieux, c'est t-shirt. Si tu ne trouves pas, d'accord, mieux. Parce que la culotte, ça reste pour l'amoureux. Ou l'homme, il le fait pour l'amoureuse. Mais pour travail, ou même un papier, un dossier bloqué, prenez tout ça. Et vous allez prendre un vêtement sale. Vous allez dormir même 3, 4, 5 jours ou une semaine. Ou même un vêtement. Mais à une condition... Attention à la couleur. On prend ni gros, ni gris, ni vert, ni... On prend toujours du blanc. D'accord? Et quand blanc, c'est-à-dire pas de dessin, pas de motif, pas de rayures, rien. Le tissu, il faut qu'il soit blanc comme ça. D'accord? Vous coupez. Ça y est, il est sale. On sent votre transpiration. Vous coupez un petit morceau. Vous gardez le reste pour une prochaine fois. Le t-shirt, vous ne le jetez pas. D'accord? Relavez le reste du t-shirt. Vous avez coupé, d'accord? Je vais vous dire qu'est-ce que vous allez faire avec le reste. Vous allez mettre tout ça, tous les produits que je vous ai présentés dedans et coudre. Bien coudre pour que les produits ne s'échappent pas. Pour les personnes qui veulent carrément avec la peau de gazelle, vous pouvez le faire avec
avec une peau de lion aussi. Ah, une peau de lion aussi. Je ne suis pas là pour dire oui, tu es le lion, non. Parce que il y a les peaux de vache. Tu vas chez IKEA, tu trouves les peaux de mouton et les peaux de vache. Ah oui, les peaux de mouton, ça se vend chez IKEA. Par contre, ne prenez pas n'importe quelle peau. Soit peau de lion ou soit peau de gazelle. Et prenez ça avec vous. Ça, c'est à faire dimanche soir ou lundi matin ou jeudi matin. D'accord? Ou samedi après-midi, tu peux le faire. Et porte ça avec toi et rends-moi la réponse. Et dis-moi oui, Soussou. C'est vrai. Par contre, le reste du t-shirt que vous avez coupé, le reste, c'est bon. Vous le lavez, vous le mettez, d'accord? Ou sinon, vous le portez la prochaine fois, même s'il est déchiré, hein, même si vous avez coupé un petit morceau, juste pour, par exemple, un autre travail, d'accord? C'est parce qu'en fait, on a besoin de votre, vous avez besoin de votre transpiration pour ce travail. D'accord. Attention, ça y est, vous l'avez fait, tac, vous allez porter avec vous, mais une condition. À une condition, si vous allez aux toilettes avec, si vous rentrez dans la salle de bain avec, si vous allez au cimetière avec, c'est foutu. Ni salle de bain, je dis ni salle de bain, ni WC, ni cimetière. Vous allez porter le jour où vous voulez aller, par exemple, rendre visite aux personnes qui sont plus dans notre monde, et ne portez pas ça avec vous. Si vous voulez rentrer dans la salle de bain, parce qu'on a tout ce tic-là, des fois on oublie, c'est bon, on prépare la clé pour sortir de chez nous, on vérifie, et là on se dit, ah purée, j'ai pas vérifié mes narines, oh j'ai, il faut que je regarde. Et ça, on rentre avec le sac à main ou le produit dans la poche. Ça, on fait une faute. Donc, pour ça, si vous voulez que votre travail sera réussi, d'accord, ne rentrez pas dans ces lieux-là. Par contre, si vous le faites et vous allez avertir tout le monde, et, par exemple, collègues de travail ou ta soeur ou ton frère ou machin, j'ai fait ça, ou ta voisine, ton travail, ce que tu viens de faire, ce que je viens de te montrer là, il va tomber dans l'eau. Le mauvais œil existe. Tu le fais, tu le fais quand tu es tout seul. Quand tu es seul. Ça, c'est à faire quand tu es seul, tu le fais, tu fermes ta gueule. Excusez-moi du mot. Parce que ça m'énerve, parce qu'on vous porte le mauvais œil. Et c'est mauvais. Comme moi, on m'a porté le mauvais œil. Parce que j'ai dit, n'oubliez pas de mettre le safran en cheveux. Cheveux, pas en poudre. Oui, pour bien préciser. On m'a porté l'œil parce que je vous ai dit que je quitte quelques jours, que j'allais m'absenter pour travail personnel et professionnel. Moi, j'aime pas la tristesse, d'accord? J'aime pas le mauvais œil. Et on me l'a porté. Moi, quand quelqu'un part voyage, je ne me mets pas à pleurer, je ne suis pas triste. Je ne vais pas lui envoyer les mauvaises énergies. Les énergies négatives, je ne vais pas lui envoyer. Je vais lui dire au revoir, prends soin de toi. C'est tout. C'est tout. Et puis je prie, d'accord? Mais pour lui envoyer les énergies négatives, ah, oh, je suis triste, oh, machin, ça, j'aime pas. Ça, attention, quand vous voyagez, dites rien. Vous allez prendre, vous allez partir, vous partez en vacances, ne le dites rien. Parce que moi, on m'a porté le mauvais œil. J'aime pas les gens qui pleurent. Dès que je parle avec quelqu'un qui se met à pleurer, des fois pour rien du tout, au bout de 5 minutes, je me dis stop. Stop. Donc, faites attention à vous. Faites ce que je vous ai donné. Ça vient de l'étoile du Sud. Et le monsieur qui a ouvert l'étoile du Sud. Voilà. Regardez, Ralba et Selba. Voilà, c'est des produits efficaces. Par contre, pour ceux qui veulent un truc en plus, ils achètent ça. Pour les personnes qui veulent mettre, vous pouvez rajouter ça. Secta ou Mskouta. Alors, Secta ou Mskouta, c'est quoi? Secta et Mskouta, ça veut dire et. Ça veut dire secta. Quand vous allez l'acheter, vous allez l'acheter, ne dites rien. Vous allez
ne parlez avec personne dehors. Même si une personne vous demande une adresse, même si quelqu'un vous demande l'heure, passez direct, vous calculez personne, vous allez l'acheter au retour, vous faites la même chose. C'est-à-dire, vous allez juste arriver à l'épicerie, chez l'épicier, chez le monsieur qui vend ça. Vous allez lui dire, donnez-moi secta, bonjour, donnez-moi secta au Mescouta. Il vous donne, vous payez, vous rentrez chez vous. Pareil, le retour. Même si quelqu'un vous dit, ah, s'il vous plaît, vous avez l'heure, vous le regardez, vous dites rien, vous tracez. Secta ou Mescouta, c'est ça son secret. C'est pas parler. Voilà. Si vous voulez. Pardon. Vous pouvez rajouter ça à votre mélange que je vous ai donné dans le tissu ou dans la peau d'animal. Je vous dis à très bientôt. Par contre, je ne pourrai pas répondre à vos commentaires. Bisous. L'alchimie. Cher frère, t'inquiète, je ferme pas ma chaîne. À bientôt.